Petit restart. Ah bah non, on a atterri direct sur l'écran titre en fait. Donc on se retrouve sur Blaster Master, un jeu NES, donc sorti en 1988 au Japon. En Europe c'était en 91, fait par Sunsoft, et c'est un jeu de plateforme, action, shoot'em up un peu, enfin il y a deux phases de jeu en tout cas, on verra cela. Ça se joue à un joueur, et puis là on voit l'introduction, introduction assez spéciale, puisqu'on joue à un garçon là qui s'appelle Jason, qui avait donc une grenouille avec lui, sauf que cette grenouille s'est échappée, a bu un truc radioactif, et ensuite cette grenouille est tombée dans un trou, nous on essaye de le récupérer, et en tombant on tombe donc sur ce char, le Sophia 3, et on part à sa rescousse. Voilà, ça c'est le scénario européen, peut-être américain également, alors qu'à l'origine le jeu japonais, donc déjà s'appelait, alors je vais essayer de le dire, hein, Sho Wakusei Senki Meta Fight. Où dans cette version-là, on jouait plutôt un pilote de char, le Metal Attacker, ça s'appelait pas le Sophia 3, et on devait partir sur une planète qui s'appelait Sophia 3, justement, pour arrêter un empereur qui foutait la merde, quoi. Et ça, c'était le scénario original au Japon. Ils ont tout changé. Sur les autres versions, ils ont foutu une grenouille. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas trop grave. Et on va y aller. C'est assez bizarre, quand même, hein, comme scénario, quoi. Les boss, c'est pas les mêmes. Ah d'accord, par rapport au Blaster Master Zero. Oui, parce que j'ai souvent parlé du Blaster Master Zero, puisque c'est ce jeu-là que j'ai fait, de mon côté, le mois dernier. En fait, c'était mon premier Blaster Master. J'ai jamais joué à Blaster Master, mais je connaissais quand même... je voyais la gueule que ça avait. Et j'ai vraiment adoré, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, je voulais me faire la version de base sur NES, qui va être bien plus difficile, hein, forcément. Mais on va faire au mieux, quoi. Donc voilà, je dirige ici le Sophia 3, on va rester dans le scénario européen, enfin ou américain, là je suis plutôt la Rome US. Et donc on peut sauter, on peut tirer comme on voit, on peut tirer en l'air, mais on peut pas tirer en diagonale, même si en appuyant sur le haut, on voit que ça se met en diagonale, mais on peut pas. Alors que dans le Blaster Master Zero, on pouvait tirer en diagonale, ce qui facilitait pas mal de choses, ça c'est dommage que ça y ait pas quoi. Ouais, c'est clair, non, la série, le jeu est très très bon, quoi. Après, je sais pas la suite ou autre, ce sur Mega Drive, tout ça, parce qu'il y a eu énormément de Blaster Master, si ça vaut, si c'est bien ou pas. Je verrai ça. Et donc, là, on est dans une sorte de labyrinthe, c'est assez couloir au début. Il n'y a pas trop 300 000 chemins à prendre. Là, j'aurais pu aller en bas, mais en fait, il n'y a rien. Je connais un peu le début. Et là, ici, par exemple, il y a une échelle, sauf qu'on peut pas descendre. Et en fait, quand on appuie sur Select, on peut sortir. Et donc, là, on joue le personnage de Jason. Attends, oui, je crois que c'est saut pour se réaccrocher. Alors, faut pas tomber de trop, sinon on meurt. C'est pour ça que j'essaye de doser quand même, de me récupérer avant de tomber au sol. Et on peut rentrer dans les endroits où le tank ne peut pas. Et pour rentrer dans une porte, faut faire bas. Alors ça aussi, il faut le savoir. Et voilà, là, on rentre dans une autre phase de jeu. C'est particulier là, vu de dessus, et puis on dirige notre personnage dans toutes les directions. Sauf qu'on peut tirer seulement dans 4 directions, contrairement au Blaster Master Zero, où on pouvait tirer en diagonale. Et c'est là que c'était vraiment génial. On pouvait viser des ennemis plus facilement, quoi. Alors également, on a un autre bouton, qui sont des grenades. Et visiblement, j'en ai à l'infini. Je me rappelais plus s'il y avait ça dans le zéro, c'est possible, je me rappelle plus trop, mais voilà. Donc là, je suis dans une caverne où il n'y a pas grand chose à part des blocs à péter, et dedans il y a des bonus. Donc le H, je crois que ce sera pour plus tard. Hein? Attends, start, ça me fait un reset? Quoi? Attendez, j'ai un problème de manette là. Attendez, j'ai fait start, ça a recommencé, attendez. Je reviens en arrière. What the fuck? J'ai jamais eu ça de ma vie, quoi. Attends, 2 secondes. Bah, j'ai fait start et... Hein? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette blague? J'ai jamais eu ça, quoi. Non. Attends, quand je fais start... je suis désolé, hein, mais... Auto, menu... Oh putain, c'est vrai que c'est un peu chiant à...
à savoir comment ça fonctionne, ça. Est-ce qu'il y a un truc reset là dans ce truc-là? Peut-être dans les hotkeys? Bah pourtant ça l'a pas fait quand j'étais dehors. Bon, attendez, je vais essayer de pas faire. Bon, je vais prendre tout, je vais le faire à l'extérieur, ça marchait, mais à l'intérieur ça me reset. J'ai pas hacké le ROM, enfin je veux dire, j'ai pas pris une ROM bizarre, c'est la ROM vraiment US quoi. Putain, attends, vite, casse-toi. Ok, d'accord. Comment je vais faire là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries hein? Oh putain. Mais attends, mais quel enfer! C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça me fait reset? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Je vais mettre une autre touche, hein? Attendez, parce que ouais, mais je vais avoir le sale réflexe. Bon bah je suis désolé, hein. Enfin, ça je m'y attendais absolument pas. Hier ça marchait ultra nickel. Aujourd'hui bah j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et là ça fait ça quoi. Attends, c'est où le reset? C'est bien par là non? Reset game, H. J'ai pas de joy to key là, j'ai. Non j'ai que dalle. Non non non. Non non casse-toi. Oh putain, c'était quoi? C'est N? Ouais. Bah, l'émulateur il marchait très bien. Ok, alors gros fail. Ah, c'est magnifique. Putain, j'avais vraiment besoin de ça aujourd'hui. Voir, c'est un autre truc là. Attends, je vais me mettre auto gamepad. Peut-être mieux marcher ça. Y a rien avec start là. Là ça marche. Bon bah écoutez, c'est pas grave, je recommence. Là ça marche. C'est pas grave, je recommence. Bon bah fail hein, mais j'espère que ça va pas recommencer là. Ça commence à me faire flipper là. J'ai jamais eu ça quoi. Bon bref, on innove hein. Le progrès comme on dit. Et donc oui, quand on fait start, alors je vais faire des save states hein. Quand on fait start, on peut voir différentes choses. Surtout sur le tank. Donc là pour l'instant il n'y a rien, il y a juste des barres, mais non, ça va être remplacé par du texte. Et en bas on a le choix de missile. Donc ça c'est ce qu'on va récupérer principalement justement dans les cavernes. On avait vu des bonus avec des lettres. Et c'est souvent pour remplir bah, des missiles ou autre chose, mais du tank. Mais il y avait également un espèce de pistolet, vous n'avez pas eu le temps de voir je pense, qui permet d'améliorer la qualité de notre pistolet en étant au sol. Alors, attendez, parce que là, je vais me barrer de là, il y a trop de monde. Ouais, t'as raison. Je vais essayer ça. Attends, je vais le faire là. Ouais. Bah, ça marche. Mais c'est incompréhensible. Non. Alors, attention, hein, quand on est comme ça à l'extérieur, quand on est à pied, quoi, on est très, très, très vulnérable. Alors, attention. Start. Voilà, ça marche. Bon, bah, je sais pas. Peut-être mauvais démarrage du jeu, je sais pas, c'est. J'ai jamais eu ça quoi. Vraiment je l'explique pas quoi. Bon, j'ai juste récupéré mes petits bonus quand même, parce que c'est quand même important de choper des bonus au début. Donc on a un autre bouton ouais, qui permet de balancer des grenades. Ça j'en avais parlé très vite fait, mais j'avais pas souvenir s'il y en avait dans le Master Zero. Mais c'est à l'infini, c'est ça qui est cool. Ça a très courte portée, attends, j'arrive plus à parler. Mais ça a l'air de faire des dégâts ça, hein. Je pense que si tu colles un boss en spammant ça, ça fait mal quoi. Ah bah là on va essayer, là j'ai récupéré plein de trucs, hop, start. Là ça marche, bon écoutez, je sais pas, on va pas rester 107 ans sur cette énigme mais... C'était beau quoi. Peut-être que quelqu'un l'a déjà eu, ou enfin quelqu'un me le dira sur YouTube peut-être. Et moi c'est la première fois que je vois ça quoi. Alors... on fait select pour revenir. Peut-être en faisant select. Non, c'est pas ça qui perturbe. Donc on va continuer un autre chemin. Donc là il y a un autre truc, je sais pas. Alors je sais pas si c'est important d'y aller, hein, je vais quand même y aller, mais. Et donc à gauche oui on voit l'interface. Donc le POW c'est notre santé. Le P justement permet de redonner un bloc de santé si on se fait toucher ou autre. Si on fonce dans Epic là. Et le gun, bah c'est l'efficacité de l'arme. Là j'en ai pris un, là par exemple, il y a un petit bloc blanc. Ça a amélioré la portée du tir. Sinon mon tir était plus court à l'origine. Alors il y a des trucs clignotants, je sais pas trop ça par contre.
Je m'en rappelle plus, ça doit donner un peu plus, peut-être le double de bonus. Là aussi, je pense une salle un peu, on va pas dire inutile, enfin pour l'aventure, oui, mais on peut trouver des bonnes choses quand même dans ces blocs. Alors, je sais pas si les bonus reviennent. Si par exemple, je sors de la pièce et que je reviens, est-ce que ça revient? Ah voilà, ça c'est un pistolet. Donc, normalement, que je tire un peu plus ou que c'est un peu plus puissant. Alors attention, parce que si je me fais toucher par un ennemi, je crois que ça va être bon là. Si je me fais toucher par un ennemi, je perds un bloc de gun quoi. En fait, ouais, ça repop. Allez, on va y aller. Pour être bon, elles sont dans le zéro. D'accord, mais c'est pas les mêmes. Merde! Ah bah voilà. Vous avez pu voir. Et salut, la petite peine. Donc là, j'ai perdu un carré de vie, mais également un gun. Putain, ouais. Pas que je regarde le chat au moment où je sors. Ça revient, mais c'est des blocs. Dans des blocs aléatoires. D'accord. Et limite, si tu veux mettre le gun à fond, tu farmes. Tu peux farmer. Ou les morceaux du gun apparaissent plus, quoi. Ça met que des trucs un peu bateaux. Alors voilà, je voulais juste montrer ça ici. On voit qu'il y a, bon, il y a un monstre là qui nous empêche de passer. On peut rien faire. Et donc là, il faudra y retourner. On va bientôt y retourner. De toute façon, on va chercher ce qu'il faut pour pouvoir passer. Et ça va être, c'est un petit côté. Est-ce qu'on peut dire Metroidvania? Enfin, Metroid. Où, bah voilà, on est bloqué là, va falloir aller chercher le power-up qu'il faut pour passer. Un petit peu, quoi. Un peu ce côté-là, quoi. Merde. Bon, bah là, je vais dans l'eau. On peut aller dans l'eau, mais bon, on est très très lent. De toute façon, fallait que j'aille dans l'eau pour la suite. Par contre, je sais pas si je suis au bon endroit, quoi. Ah, ok, non, faut que je descende un peu plus, je pense. Si, si, on peut le qualifier comme ça, ouais, ok. C'est vrai que bon, c'est... Oui, remarque, c'est vraiment ça, quoi. Tu vas chercher les objets qu'il faut. Voilà, tu vois, c'est le genre d'ennemi, là, qui sont en bas, là, c'est un peu chiant, mais... Faudrait que j'utilise l'éclair, mais je sais pas là, si j'ai récupéré. Ah si, j'ai... C'est équipé, là? Ouais. Voilà, bon. L'éclair, en fait, ça permet de balancer, bon, bah, des éclairs, mais en dessous de nous. En dessous du char. Alors, ici, on va sortir. Et on va nager. Bon, c'est cool, là, ça me l'a parfait, le... le reset bourrin. Mais quand même, je fais des coups de save state, hein. Ça me fait peur, quoi. Donc là, je suis dans une zone. Alors, ces blocs, là, en fait, ça se déplace selon leur position. Faut bien regarder comment ils sont mis, et puis... là, par exemple, celui-là, il bougera pas, il bouge que horizontalement, quoi. Les missiles à tête chercheuse. C'est ceux où il y en a trois, là. Tu balances les trois. Non, c'est pas celui-là. Tu pars avec le char là, hein. Pas... Parce qu'il y a un super tir là avec le bonhomme, mais putain, faut y arriver déjà et puis tu le perds vite. Hein. Bon, là, y a rien eu. En tout cas, je trouve que pour l'époque, pour 88, franchement, il est déchiré de jeu quoi. Déjà, le fait d'avoir deux phases de gameplay comme ça, je trouvais ça vraiment excellent. Ça répond bien, c'est super jouable. Je sais pas, franchement, le jeu, je le trouve vraiment génial, quoi. Ah, si, je suis emmerdé, ouais. Parce que là, le personnage, il tire de la main droite, j'imagine. Il peut pas tirer à gauche, donc je dois les faire déplacer pour les shooter. Avec Sophia, ouais, ok. Ouais, il n'y a pas trop de clignotements ou de... C'est le décor qui s'affiche au fur et à mesure sur le bord quand t'avances. Il est quand même bien propre. Quoi. Alors, il y aura peut-être des ralentissements. Je sais pas si on verra déjà avec le boss. Il a des pops ou je l'ai eu? Tiens, bah, d'ailleurs, premier boss. Ah non, c'est encore après. Ça, c'est des missiles. Bon, pas à peine de les faire déplacer. Ah oui, pas con. Putain, c'est vrai que tu vois, j'y pense pas trop à ça. Ouais, attends, j'ai pris un dégât. J'ai perdu un gun, bon, tant pis. Putain, ce spam, quand même. C'est très arcade, hein, si on veut. Voilà, premier boss. Alors, écran tout noir. Ah non, mais tu le défonces bien avec les grenades. Y'a pas à dire, quoi.
Enfin, un jeu du bourrinage, mais bon, ça sera pas toujours le cas, quoi. Donc là, on a récupéré quelque chose. Alors, si j'enregistre, si je fais start, voilà, on voit écrit au-dessus Hyper. Donc, c'est un module pour notre canon. C'est un module pour notre canon qui va... Alors, je pense qu'on a des tirs. Ils étaient pas comme ça, les tirs, hein, je crois. Alors, je sais pas si ça tape plus fort sur les ennemis également. Mais en tout cas, ça va nous servir, bah, l'endroit que je vous ai montré avant. Ou l'autre, maintenant, je vais pouvoir le toucher, quoi. Putain, mais vas-y. Donc là, faut tout remonter. Alors, c'est un petit peu relou. Hein. Non, mais je l'arrête même pas, ça. Ça va être un peu relou parce que bah, le tank est très long. Très lent. Là, faut pas se rater. Remarque, ça flotte bien. Hein. Tombe pas à pic, justement. Vous inquiétez pas, il y a plusieurs zones. Là, on est dans la première zone. Quand on changera de zone, la musique changera. On n'aura pas tout le temps cette musique jusqu'à la fin, sinon on pète un plomb, quoi. Mais elle est bien, elle est très bien, la musique. C'est juste que je me vois pas jouer 4 heures avec une musique comme ça, quoi. Ah, saleté. Est-ce que... Je peux revenir, là, maintenant. Hop, c'est bon. Donc là, on va retrouver l'autre, là. La tête. Vous voyez, maintenant que ça clignote. Voilà. Et donc là... Ah, j'avais oublié, là. Ouais, ce petit son, c'est les mines, ça. Putain, ça va être l'enfer, les mines. Parce que là, Ouais, mais je peux pas voir ce qu'il y a en dessous, quoi. C'est ça que je trouve horrible. Ah, là, il y a un petit ralentissement, là. Hop, voilà, on change de zone. Merde, putain, merde, je regardais pas, quoi. Alors eux, attends, ils sont chiants parce qu'on peut pas les atteindre. Faut prendre bah, ça, par exemple. Et si on fait bas et attaque... Ah, d'accord. Ça balance... Ah, mais ça tue qu'un ennemi. Oh, l'enfer. Attends, bon, je me casse. Hein. C'est tendu. Putain, comment tu fais pour les avoir vraiment? Enfin, faut essayer de les avoir quand ils tombent, quoi. Attends, je vais faire un peu de place. Voilà, c'est bon. Petite save-tête quand même, au cas où. Elles sont toutes bien, à part le dernier monde. Pour les musiques, ouais. Je saurais pas te dire, ouais. Pour version NES, je sais pas trop. On verra bien, quoi. Mais les musiques, ouais, la première était cool. Là, celle-là, elle a l'air bien. La compile Switch de Blaster Master, ouais, bah je sais pas. Enfin, je savais même pas qu'il y avait une compile en fait. Ça regroupe quoi? Les Blaster Master 0 ou... Ouais, si c'est à 0 trilogie, vas-y, hein. Franchement, c'est excellent, quoi. Bon, faut passer par le haut là. Attends, j'ai fait quoi là? Ouais. On va passer par le haut. Attends, je vais mettre la carte quand même en cas où. Parce que le problème là de ce Blaster Master, donc sur NES, c'est qu'il n'y a pas de carte. Hein. On fait. Mais si on fait start. À chaque fois, je fais une save state quand je fais start maintenant. Il ouais, n'y a pas moyen d'aller dans un autre menu. On peut pas, quoi. Peut-être là, non? J'essaie d'aller le plus haut possible. Putain, c'est l'horreur ces trucs là, quoi. Bon, après on prend pas trop de dégâts, c'est... Oh putain. Ah oui, non mais oui, j'ai fait bas et attaque. Ok, c'est bon. Enfin, il y a des têtes de mort là qui m'attaquent. Bon, on fonce. Alors lui, il me suit en fait. Est-ce qu'il va tomber là? Ouais, il me suit en fait, hein, tout le temps. Voilà, c'est un peu plus chaud là. Bon, évidemment, ça nous one-shot pas. Hein. Enfin, je crois pas. Au mieux pas que je le sache.
Est-ce que c'est là? Non, faut... Ah bah, apparemment si je peux y aller, mais c'est pas là le vrai chemin. Je vais quand même voir ce qu'il y a quand même. Mais bon, faudra pas trop que je me paume quoi. Putain. Ah ouais, ça je l'ai pas vu. Hein. C'est-à-dire que les mines on les voit mal, hein. Elles sont toutes grises là. Pas évident du tout quoi. Salut White Woodman, comment tu vas? J'ai dit ces yeux, le nom me disait rien, mais le jeu oui. Ah c'est possible hein. C'est vrai que. Bon, il est assez connu, enfin je pense. Je n'en connais pas forcément le titre quoi. Ah bon, on va aller faire un petit tour là. Oh putain. Bon, je vais pas m'amuser à péter tout ça. Hein. Ah mais c'est une salle qu'avec ça, attends non, il y a. Non, non, là il y a un conduit là, faut les voir, mais. Il y a un truc. Ah, cool. Enfin, le H clignotant il me sert à rien, ça se pète ça? Ah oui. Mais pour l'instant il me sert à rien, mais. Oh putain, c'est le super gun alors. Voyons. Ouh! Ah, c'est plus du double! Ah, là j'ai bien changé mon tir là. Ah, bah, j'ai bien fait de venir là. Ah putain, puis là, plaisir quoi. Bon, évidemment, il y a rien là, dans ces trucs là, vraiment. Ouais, c'est le hover, c'est. Alors, le hover, justement, ce sera plus tard. Hein. Pour expliquer ce que c'est. Enfin, si je dis pas de bêtises, mais c'est pour planer. Avec le temps, quand tu sautes et que tu. Enfin, tu planes ou tu refais un saut, je sais plus trop, mais. Je crois que ça sert à ça, quoi. Bon, il y a plus rien qui sort. Par contre, ouais, donc je suis venu là que pour ça, quoi. Il faut que je fasse machine arrière. Oh putain. Alors, évidemment, la tête de mort sur ma gueule. À moins que si, je peux continuer à monter, peut-être. Ah merde. Et salut, Grom. Comment ça va? On dirait les tirs de Fester Quest. Ils touchent rien. Ouais, il faut que je récupère un peu de santé, là. Enchaîner doucement. Ah, une autre sortie là. Je suis sur le bon chemin là. Je vais vérifier. Ouais, de toute façon, ça me rappelle ça. Une espèce de rempart derrière là. Ouais, ouais, ça va. Ça va. Pour l'instant, ça va. Non, le jeu est vraiment bon. Mais quand je vais galérer, forcément, je vais dire que c'est un jeu de merde. Ça va arriver, ça. Je déconne. Enfin, on verra. Non, non, mais franchement, il se manie vraiment bien. C'est ça que j'apprécie, quoi. Classique, quoi. On l'a tous fait, quoi. Ok. Trop tard, c'est dans le monde 3. Ah ok, le hover c'est dans le monde 3. Attends, je crois que c'était vachement plus tard. Je me souviens que c'était plus tard, ouais, peut-être bien alors. Ah putain, par contre c'est un peu labyrinthique. Oh là. Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont connu ce jeu à l'époque, enfin qui l'avaient sur la NES ou... Vous avez dû bien vous éclater, hein, ceux qui l'ont connu là. Oh putain, ça y est, on va avoir le gun à fond. Parce que c'est le même, non? Enfin, c'est le même, mais il doit faire super mal, quoi. 91 pour chez nous, quoi. Le mode mauvaise foi activé après le premier passage difficile. Bah, vous me connaissez, quoi. Le seul truc qui va peut-être me saouler, c'est qu'il n'y a pas la diagonale, quoi. Oh putain, ouais, c'est bien. Il y a plein d'intersections. Je me suis fait toucher là? Non, c'est bon.
disais, on a des sortes de magiciens là. Ça doit être bien relou quand même quand t'as pas un tir comme j'ai là. Est-ce qu'on peut les laisser? Je veux dire, si jamais je me fais toucher, je reviens. Ouais, je pense pas que ça garde en mémoire. J'ai des doutes, putain, voilà, je me suis fait toucher là. En même temps, on fait popper sur un ennemi, c'est con. Allez, casse-toi. Bon, alors, moi, il n'y a pas de sauvegarde. Enfin, si, avec le char. Et ben voilà, je suis à fond, quoi. Bon, je fais une safe tête en cas de. Voilà. Non, parce qu'il y a une surprise au début de live. Quand je faisais start, ça rebootait le jeu, quoi. Donc là, je suis un peu. Je suis un peu en PLS dès que j'appuie sur start, quoi. Beaucoup de mal à venir. Hein. Il y a sa sortie. Ah ouais! Oh putain, attends, merde. Comment... Ah oui, je me rappelle de lui, mais je sais plus comment. Putain, il y a un truc qu'il faut viser, hein, mais. C'est pas clair avec le tir que j'ai, quoi. La gueule, hein, je vois pas trop. Ça, c'est cheaté quand même. Hein. Bon, après, faut arriver à le conserver, quoi, le tir, quoi. C'est ça le truc. Cheaté, mais mérité, quoi. J'ose pas m'approcher avec les grenades. Ah non, je crois que j'avais pété un bras. Je sais pas ce qu'il faut toucher, en fait, vraiment, quoi. Putain, mais il y a des explosions partout, quoi, c'est bizarre. Faut renvoyer des tirs? Je sais pas, je les renvoie là? Ah non, je les absorbe hein, seulement, hein. Je pense pas que je les renvoie. Oh, ça devait être les petites pinces là, je sais pas. Salut Zeus! Et donc, on a dû avoir un nouveau power-up là. Si on appuie safe state sur start, on a le crusher. Je sais plus ce que c'est. Alors ce qui est bien, c'est que ça nous ramène au début du de la grotte, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool, hein, parce qu'on se rappelle plus trop. Est-ce que c'est le truc qu'il faut charger? Je sais plus ce que c'est. Bon, attendez, juste 2 secondes. Non, je suis couré. Hop. Voilà. Bah le crusher, attends, merde. Oh non, c'est bon, je suis pas tombé. Ça va me permettre de péter certains blocs là. Les blocs un peu. Putain, qui ressemblent avec des petites bulles là, je sais pas trop. Hop. Marrant, je me fais pas toucher, hein. J'ai l'impression la hitbox est assez sympa. De toute façon, faut se barrer de là. Sauver notre grenouille. Salut Lulu. Le scénario quand même. Excellent. Ouais, mais c'est là que j'aime pas trop. Tu vois rien ce qu'il y a en dessous, quoi. T'es quasi obligé de te prendre les ennemis, quoi. Oh putain. Saute. Attends. J'ai quoi là comme type? Ah voilà. Non, c'est ces blocs là en dessous là qui se cassent. Ouf. Non, ah non, c'est bien ça. Enfin, c'est pas des bulles en fait, c'est des petits carrés quoi. Écoute, on va aller là. Je vais passer le bon chemin. Je regarde sur la carte, mais je crois que je suis pas trop mal. Ah, il y a un autre. Non ? Attends, je regarde. Alors, je suis pas sur le bon chemin en fait. Putain, j'aimerais prendre ça, mais il y a l'autre qui m'emmerde. Putain, mais je vais y arriver là ? Merci. Fais pas que je sorte là tout de suite. Là, voilà,
là, on arrive à une nouvelle zone. Je fais une save state, hop, non, tout est bon, tout, ça déconne pas. Et là, ça va peut-être se corser, quoi. Merde, oh, il y a des billes. Ça, je veux bien, par contre. Musique sympa. Ah ouais, il y a eu tout plein de Blaster Master, hein, vraiment. Je pense que la série a eu du succès, quoi. Il y en a eu sur, bah, sur Game Boy, là c'était le suivant, là. Enfin, j'ai noté hein, ceux qui sont sortis. Le suivant qui était en 91 sur Game Boy s'appelait Blaster Master Boy. Pour Game Boy, j'imagine. Après, assez curieux. Enfin, je trouve. C'est... Putain, mais attends, non. Non, non. Ça, c'est vraiment de la merde, ça. Vite, on se casse. Le suivant qui est sorti sur Mega Drive qui s'appelle Blaster Master 2. Ah, je pensais que c'était une série quand même qui était assez, plutôt tournée vers Nintendo quoi. Finalement non. Pas très bon celui-là sur Mega Drive. Graphiquement il est assez curieux. Enfin il change quoi. Putain. Faut que je trouve. Ah mais il monte là. Ah non, c'est bon. Ils sont horribles là, ces limaces là c'est horrible parce que tu peux pas shooter à leur niveau. C'est un peu l'enfer quoi. Je cherche un peu des power là parce que sinon c'est l'enfer. Juste prendre le coup pour le 2 il est pas si pourri. Bon et voilà après bon c'est une question d'habitude j'imagine. Est-ce que c'est le bon chemin là? Je sais pas là. Parce que je fais un peu n'importe quoi là mais... Ça a l'air... Si ça a l'air d'être bon. Après bon, je peux aussi à Sigma peut-être qu'il peut m'aider pour me dire si ça va. Il faut le connaître par cœur quoi, c'est horreur. Et donc après il y a eu, il y en a eu un aussi sur Game Boy Color en 2000. Tiens, je peux pas voir mes notes sans me faire taper dedans quoi. Qui s'appelait donc Blaster Master Enemy Below. Donc celui-là non plus, je vois, j'ai pas vu la gueule d'ailleurs. Quoi ça ressemble. Alors ça doit ressembler devant au Blaster Master Boy quoi j'imagine avec de la couleur. Descend. Hop. Merde. Et donc il y en a un également qui est sorti sur PS1, Blaster Master Blasting Again en 2000. Ça, j'aurais dû regarder une image de celui-là, voir si c'était en 3D. Putain, je vais crever. Non, c'est bon, ça passe. Bon, là, je vais monter. Attention, le saut. Ça c'est un peu chiant quand même là avec leurs bombes là qui roulent là, tu vas te les prendre quoi. Voilà, et puis donc le Blaster Master Overdrive dont on parle, Sigma, qui était sorti seulement sur WiiWare, qui est apparemment très très bon. Celui-là, donc c'était en 2010. J'aimerais finir avec mes notes en fait. Et après cela, bah là c'était la série des Blaster Master Zero, donc c'est celui que j'ai connu, donc le premier là. Qui était sorti en 2017, et ensuite c'était tous les deux ans, donc le 2 est sorti en 2019, et le 03 en 2021. Donc, est-ce qu'en 2023 on en aura un 4? Je sais pas. Je sais pas s'il y a un code, mais en tout cas, ils sont vraiment très très bons, quoi. Putain la vache, comment ça colle ça? Putain, c'est l'horreur là, cet endroit quoi. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah d'accord, c'est juste un petit bonus. Blasting Again, il est en 3D, d'accord, attends, je vous lis un peu. Clairement moins bon, il y a énormément de passages où il est pratiquement impossible d'éviter les ennemis. Dans le 2 là, tu parles, Lulu. Bon, après celui-là aussi, hein, il y a des ennemis, ça te pop à la gueule. Bilo reprend les mêmes environnements que sur NES, mais les zones sont beaucoup plus longues. Attends, c'était lequel ennemi Bilo? Ah, j'ai Game Boy Color, ouais, ok. Blasting Again, il est en 3. Oui, non, je viens de le lire. Le 2, ok. Attends, il faut juste que je me repère là. Est-ce que j'ai fait ça? Ok. Je suis ressorti. C'est bon, j'ai retrouvé où je me trouvais. Bah, je suis désolé, hein, je regarde de temps en temps parce que. Sinon,
On va se paumer totalement. Ça, c'est bien ballot, ça. Putain, ils sont bien placés, quoi, c'est con. Oh, putain. Non, mais... Putain, donner des bonus, quand même. Ouh. Ça donne rien, en fait, ça. J'ai l'impression. C'est les limaces ou autres, mais... qu'il les contient là, ça, ça donne que dalle, quoi. Ils vont nous prendre un nouvel opus. Oh, il date pas de si longtemps, hein, le 3. Hein. Enfin, 2021, ouais. Enfin, je sais pas quand, si c'était en début d'année ou pas. Ils sont quand même assez actifs sur cette série. Est-ce que c'est là? On va dire que oui. Oh putain, ce décor. Ah, dommage. Il a réussi à se barrer. Ça peut donner, d'accord. Ok. Moi, bon, lui, je tente pas. Putain, il donne plus rien. Ça y est, c'est fini là. Merde. Vite. Oh putain. Ok, donc là c'est bouché. Putain, eux ils sont relous, quoi. Eux ils sont assez relous. Putain, j'arrive même pas à me placer en dessous. Encore que dans le Blaster Master Zero, bah avec le tir en diagonale, ça se fait bien. Mais là, vu comme ça bombarde, c'est chaud, quoi. Merde. Putain, mais le H, je m'en fous un peu là. Je me fais troller là. Ah, très bien. Ça, je prends. Ah, mais ça donne tout le temps des P, ça, en fait, ou... Attends. Non. J'aimerais le shooter. Voilà. Tiens, j'ai l'impression, hein. Oh putain. Il a mis 15 ans à réagir, ce con. Je veux lire. C'est un jeu Metroidvania en ce moment, les Chroniques de Lodos. Ouais, je connais. Enfin, j'y ai pas joué. Si, j'avais fait un peu la démo, que je trouve très bon. Il faudrait que je le fasse. Il est super bien fait, en tout cas. Il est joli, quoi. Les Zero, c'est une tick rate. Oui, c'est vrai. Sauf leur a confié leur licence. Alors qu'ils sont de retour, hein, peut-être qu'ils vont reprendre la main. Bon, après, une tick rate, c'est... Ils font des bons jeux, quoi, en général. Donc, enfin, si c'est eux qui font le quatrième, ça me dérange pas. Hop. Mais bon, Sunsoft va peut-être reprendre le bébé, quoi. Bien, je me sens instinct arrive au bon moment, étant donné qu'il y a une grosse hype. Il faut des Metroidvania. C'est clair. Putain, mais... Horrible, ces ennemis-là aussi. Putain, mais c'est vraiment garanti à chaque fois, là, le bonus avec eux, quoi. C'est cool. Ça m'a remis la barre, là. Putain, oui. Putain, j'étais au bord de la mort tout à l'heure. Je me suis bien remis, là. Ah, et... là, il en donne peut-être pas parce que je suis à fond. Bon, on va dire que c'est ça. Ah bah non. Ah merde. Il s'en donne plus, alors. Ah, si, si, c'est bon. Putain, mais ils en donnent tout le temps là, c'est quoi ces conneries? J'ai activé le mode facile là. Ah, ok, donc ça c'est à pied. Très bon, mais assez court. Pour lequel poil. Ouais, ce dernier Gunvolt est vraiment très très bon. C'est des jeux que j'ai pas fait également, ça. Je pense que ça peut me plaire. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir, lui? Putain, à chaque fois je me plante, hop, voilà.
est bien ce tir, mais si tu veux juste tirer en face, j'ai l'impression que c'est c'est pas facile, quoi. Ah ok, ouais, pour Wonder Labyrinth. Ouais, ça j'ai entendu dire que c'était c'était pas très long, quoi. Mais bon. Si tu passes un bon moment, c'est cool, quoi. Bon, après, tout dépend au prix où tu l'as acheté, quoi. Évidemment. Putain. Dégage. Ouais, je vais y aller à la grenade, hein. Un peu de bordel, mais efficace quand même. Hein. Contre le boss, quand tu sais pas ce qu'il faut viser, t'es content, quoi. Oh merde. Ah, on voit tout de suite que le tir est moins fou. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc en haut, là? Je m'en rappelle pas, là. Putain, oh la vache, d'accord. Sympa. Ouais, j'ai un tir pourri là, enfin... Alors, ce qui est bien, c'est que ouais, j'ai un peu le whiz shot là. Ah cool, voilà. Mais putain, va en face quoi. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé mon tir arc-en-ciel là. C'est bizarre là ce... Cette salle. Il y a le sol qui est de plusieurs couleurs. Ce bordel. Putain, mais j'arrive pas à péter les trucs, quoi. Le problème, c'est que les blocs, je peux pas y péter la grenade. Ah, ça y est, boss. Oh putain, j'ai un souvenir de lui. C'est pas un truc qui se. Ouais, qui se TP ou qui se double. Évidemment, je suis quasi cheaté là avec. Oh putain, oh, je l'ai pas pris! Énorme! Ah putain, et puis c'est là que t'aimerais avoir le tir en diagonale quoi. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Pas clair. Bon, bah écoute, hein, ça passe, hein, tant que j'ai ce tir là, je m'en sors. Si j'ai le tir simple, laisse tomber, c'est impossible. Hein. Bon, on a chopé le hover. Donc normalement, c'est ça qui va me permettre de voler à moitié là avec. Voilà. Alors il y a peut-être que ça. Ah oui, voilà, là j'ai consommé ma barre de hover. Il y a peut-être que ça dans. Dans ce Blaster Master NES. Parce que dans le Zero, t'avais le choix entre soit planer comme ça, soit faire plein de double sauts en fait. Enfin plein de sauts quoi à la suite. Là t'as peut-être pas le choix quoi. On va bien les shooter là pour récupérer. Power up là pour. Justement pour pouvoir planer. Putain. Oh, c'est bon, je m'en prends plein la gueule. Ok, c'est bon. Alors là, c'est quoi? Faut que je remonte tout. Bon, on verra. C'est que je vais... Il peut tirer en diagonale comme par hasard. Oui, comme par hasard, le boss, il peut, quoi. Après, le boss, ça reste Phenotopia, Awakening. Ouais, c'est clair. Ça, tu me l'as bien recommandé. Mais il est joli, le jeu. Hein. J'ai quand même vu tourner. J'aime beaucoup, quoi. Ah là, on n'aurait pas pu, là, sans le... Donc, sans le pouvoir. Ah putain, bah, heureusement que j'en ai un peu, encore. Ah sinon faut que je farme. Ah putain voilà, c'est ça qu'il me faut. Putain ça donne qu'une barre. Ah ça va être chiant. Parce que j'ai l'impression que ça se consomme super vite quoi. De toute façon je vais l'utiliser quand j'en ai besoin hein, parce que là. Je vais pas m'amuser à tout le temps farmer les power-up quoi. Wow. Hop, bon bah on continue à monter. Bon j'espère que ça vous plaît, en tout cas moi franchement j'aime beaucoup. Après peut-être que c'est peut-être répétitif à regarder, je parle. Putain.
Mais bon, il y a un moment donné aussi, je vais beaucoup galérer, hein. C'est clair. Oh, ça donne plus rien, ça y est. Faut que je fasse gaffe avec le H quand même. Oh, il y a une bonne petite musique là, c'est sympa quoi. Oh, oui. Ça, ça fait plaisir. Là, hop. Ah merde, mais on passe pas là, si. Ici. Ah merde, c'est pas par là? Ah si, c'est bon, j'ai réussi. Je sais pas comment. Ah oui, il faut se retourner, putain, ouais. Ah, des petites stratégies à faire dans celui-là, hein, puisqu'on peut pas tirer en diagonale. Ah, j'ai plus de. Merde, j'ai plus de hover. Je crois que c'est là. Non, non c'est au-dessus. Alors je sais que c'est peut-être un peu cheaté, hein, le fait d'avoir les cartes. Mais bon. Moi, je veux avancer, quoi. Et ouais, parce que bon, je disais, hein, dans le Blaster Master Zero, t'avais la carte au moins. Et là, c'est pas du tout frustrant, quoi. Hop. Ouais, tout à fait, Sigma. Là on est sur le chemin pour normalement retourner attendez je me suis paumé, non c'est là, pour retourner au monde 1. Mais c'est clair que sans carte ou quoi que ce soit, putain, si tu le fais à la loyale sans connaître du tout, ah, tu dois y passer un moment quand même, hein, pour savoir où aller après. Bon, enfin, c'est un peu de logique, quoi. Tu sais que tu peux accéder à des endroits. À des endroits inaccessibles auparavant. Mais faut s'en rappeler, c'est ça le problème. Putain, ce bordel. Est-ce que c'est là? Attends, je vais là. Oui, oui, ça, ça menait. Oui, on l'avait dit tout à l'heure. Ça fait un peu raccourci pour le premier monde. Putain, merde, je voulais pas. Attendez, je vais prendre ça. Ça, c'est, ça doit être ça, là, les homing missiles, quoi. J'imagine que le H, c'est homing. Et ça pourra m'aider à dégager les limaces, là. Oh, bien joué. Putain, ça fait très mal, hein. Ah, c'est pas très homing en fait. Merde. L'arnaque. Putain, casse-toi, voilà, c'est bon. Est-ce qu'on peut les péter normalement? Oui, voilà. C'est ce que je pensais. Ah bah oui, ça c'est bien, ça donne également des bonus. Donc tout donne des bonus, hein, c'est clair. Un petit H là, s'il vous plaît, parce que je vais en avoir besoin là. Putain. J'ai l'impression qu'on peut pas tirer en diagonale. Pas ici. Est-ce que j'ai fait à sa sortie? J'ai souvent tourné en rond. Putain, bah, quand même bien joué, hein, parce que. Fallait être quand même assez persévérant, quoi. Alors, ouais, normalement, si on remonte tout, on revient au début. Même rien que ça, là, savoir qu'il faut retourner tout au début, putain, tu le devines pas forcément, quoi. Surtout dans les jeux, en général, t'avances tout le temps dans les zones, quoi, mais tu pensais à revenir vraiment tout au début, à la première, au premier écran. C'est pas souvent ça, quoi. Alors, non. Par contre, je vais t'emmerder, là, vraiment, quoi. Ils sont horribles, hein, ceux-là. J'ai vraiment jamais de hache, quoi. Je crois que ça fait mal là en dessous, hein. C'est des pics, je sais pas trop quoi. Pourtant on a l'impression que c'est une forêt. Mais je crois que ça fait mal, hein.
Ah, merci. Putain, je vais aller loin avec ça, mais bon, c'est toujours ça. Ah, voilà, mais c'est eux en fait qui donnent. Attends, mais... Est-ce qu'un type d'ennemi donnerait un power-up spécifique? Oh merde. Putain, mais saute! Eux donnent que des PA, hein. Ça se trouve va falloir que je revienne. Ouais, putain, je vais pas avoir assez là, non? Va falloir que je ferme un peu là pour avoir des... plus de over, quoi. Enfin, je veux bien essayer avec ça parce qu'en fait c'est ici qu'il faut l'utiliser. Oh putain! Ah super! C'est prévu. Non! Oh putain, quand je me fais toucher, ça, ça m'arrête net. Oh fait chier, bah là je suis obligé de farmer là. Les boules! Non mais ça se consomme trop vite, quoi, c'est horrible. J'aurais tellement préféré un double saut là. C'est eux là qu'il faut, faut shooter. Mais putain, il passe à 15 000 à l'heure. Pas le temps. C'est pas mon niveau. Hein. Pas relou quoi. Allez là. Il donne plus. Oh putain, oh, ça va être relou. Ferme les ennemis. Ça va très vite sur une plateforme. Bah faut qu'ils reviennent quoi. Je suis obligé de me déplacer quand même, non? Ah peut-être là. Ah yes, ouais, t'as pas besoin de bouger en fait. Ça, ça dépend. Quand ça veut quoi. Putain, je vais crever. Ok, je suis mort. Pourquoi il n'a pas décollé là? Je vais pourtant. Bon, c'est pas trop grave. Alors, il me reste 2 vies, hein, mais pas s'inquiéter, il y a des continues illimitées. Ça nous fait juste revenir au début de la zone, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Ouais, on va commencer à se rapprocher. Putain, ouais, mais tout le monde est revenu quoi. Non, arrête ça. Ah putain, ça fait revenir le H aussi. Non, s'il te plaît, putain. Yes. C'est bon, on a fait le truc le plus dur du jeu, je pense. Ah merde, y a que 3 continues. Ah oui, donc oui, non, mais je vais faire gaffe alors. Ah bah ouais, ça ira coup de save state à la fin alors, si j'ai plus de continu. Parce que tu gagnes pas de... Tu gagnes même pas de vie ici. Attendez, je suis où là? Ok, je suis... Donc, nouvelle zone, 4e zone, donc il se trouve en fait... l'accès se trouve au niveau 1. C'est bien de le, ouais, de le savoir maintenant, c'est clair. Non, surtout que je risque de crever vraiment en boucle, moi je suis sur les dernières zones. Hein. Y'a pas de one-up, putain, ils sont chiés. Hein. C'est chaud quand même pour un Metroidvania là, de... Que t'aies des continues limitées quand même. Parce que là tu dois te retaper quand même un sacré morceau quoi. Ah putain, alors vas-y, va là. Allez, pop, voilà, c'est bon. Là, je dois aller en bas à gauche. Je peux passer là, peut-être. Oh, la gratuité! Mais j'ai plus de hover déjà? Arrête! Bah, je crois pas qu'il y ait de mot de passe, hein. J'ai pas vu ça justement. Mais se dire que t'es obligé de finir d'une traite, je suis en train d'y penser. Ça aussi quoi, putain, faut le temps quoi.
Ouais, de toute façon en bas il n'y avait rien. Là il y a de la flotte, hein. Je sais pas si ça me blesse là ce... Oh putain. Oh le truc il est toujours là. Énorme. Des pop-pop. Qu'est-ce que c'est que ça? Par contre celui-là je l'ai pas vu. Tiens, oh merde, fonce dessus. Je voulais tester cette arme un peu. Les éclairs donc. Ils vont me servir là. Hein. Mais putain, mais quand tu veux. Attends, là c'est où? C'est à gauche? Ouais, parce que. Putain, ouais, sinon ça t'emmène à un endroit, un cul-de-sac. Et super loin quoi. Plus personne. Hop. Plus la rage quand t'arrives devant Plutonium Boss qui te désingue et qui est... Ah putain, qui te désingue la dernière vie de ton dernier continu juste avant la fin. Ah oui, ah oui, ah oui, t'as dû être très très mal. Putain, c'est... Bon, ça va. Pris d'autres coups, putain, je l'ai pas vu. C'est-à-dire que vraiment, les mines toutes grises comme ça, c'est. C'est bien choisi, quoi, là. Ils auraient pu mettre un petit voyant rouge, là, pour. On me distingue un peu, quoi. Et je vais crever. Je peux le toucher, là? Ah. C'est là qu'il faut aller, en fait? Je suis en train d'aller là comme ça, oui, apparemment. Putain, j'avance, mais en tirant tout le temps, quoi. Putain, c'est là que j'aime pas, quoi. Tu vas à droite. Hop. Quoi? J'usais. Le trauma d'enfance, mais tu m'étonnes, quoi. Mais ça m'est arrivé dans des jeux, ça, de crever au boss final et que t'as pas de continu. Bon, des jeux pas aussi longs que ça, je saurais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais pour celui-là quand même, c'est, ça doit être très douloureux, quoi. Vu comment c'est long. Là il me faut... Oh putain, mais je vais pouvoir avec deux là. Ouais, ça passe. Oh putain. Ah les trolls. Moi j'en ai un, mais... Ouais, bien encore un. On a peut-être pas besoin, je sais pas. Merci. Très bien, bon là on va prendre notre petit gars. Oh putain, attends, ah d'accord, je peux pas sauter là ici. Alors, cette zone là. Bon, ce qui est bien c'est que chacun a sa barre de vie. Hein. Là, je reprends pas la barre de vie de Sophia là. Ce qui est logique quoi, mais bon, ça aurait pu. Par contre j'ai un tir de merde. Ah parce que je suis mort. Ah merde, ça m'a reset le... mon gun. Ah ouais, puis là ça va être très bien là. Ah ouais ouais, ça va être très bien. Y'a pas un petit gun là? J'ai aucune portée quoi. Ah bah la galère va peut-être commencer là quoi. Elles l'ont à moitié des pop. Hop. Ça va pas être la même là, hein, avec... avec ce perso. Merde. Enfin, ce tir. Putain, mais ils peuvent me donner un petit petit boost là, quand même.
Putain, ça leur pète à la gueule, faut crever. Ah, ça va être Fred là. Oh, j'ai à moitié tiré en diagonale là. Ouais, légèrement. On peut légèrement tirer en diagonale avec la grenade. Ah, yes. Merci. Enfin, un petit tir plus lointain quand même. Putain, attention. Putain, je suis. C'est le bon chemin au moins. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y en avait d'autres. Putain, faut tirer comme dans Isaac, quoi. Merde. Putain, les boules. Est-ce qu'il m'emmerde celui qui est en face, là? Attends. Ouais, mais je peux pas. Ah si, je l'ai eu. Je vais me péter la gueule surtout. Mais il se le prend pas là? Si, merci quand même. Quel enfer! Ah, du H, très bien. Est-ce qu'on peut voir l'état quand même? Ça me le fait plus le reboot, hein. Vraiment, ça, c'est cool. Ouais, je vais sauvegarder avant. De toute façon, je compte faire comme quelques save states hein, avant les boss ou autre. Si, maintenant que tu m'as dit que c'était limité en continu, ça m'emmerde un peu, quoi. Putain, je suis obligé... Eh merde, putain, j'ai perdu... perdu mon gun. Oh là là, ça va être l'enfer. J'ai plus rien. Putain, mais il peut pas tirer dans l'autre sens. C'est bon. Et comment tu fais pour choper là les bonus là qui sont sur des plateformes inaccessibles? Y a moyen ou c'est juste du troll? Y a le méga H. Mais bon, putain, quand t'es à pied, ça sert à rien. Ah bien, méga gun, j'aurais préféré. Peut-être là, non? Je vais en faire une là. Impossible, c'est du troll. Ah, très bien. Peut-être là. Plutôt de me faire repentance, mais flemme de noter. Roter du sang. Downgrade des items. Ah, y a pas que des downgrades, hein. Ça a été rééquilibré de nouveau avec le patch. Il y a des items bien pétés, mais faut les débloquer. En fait, ça te force un peu à débloquer les nouveaux objets repentance. Ok, bon alors, attends. Qu'est-ce qui est shootable? Donc, est-ce qu'il fait tout le temps flamme et puis coup de langue? Notre grenouille, quoi, qui s'en prend à nous. Ah non, il y a aussi des boules de feu. Une flamme. Je l'ai pas vu clignoter une fois encore. Est-ce que c'est au moment où il tire la langue? Attends. Ah, putain, j'ai pas eu le temps. Je touche pas là. Ah si. Putain, là je l'ai eu là. Parce que quand il tire la langue seulement, je pense pas, mais. Putain, j'ai tellement pas de portée. Ah, il ferme la bouche là. Ouais, c'est ça. Il fait flamme. Et ensuite, c'est langue. Ok, c'était très beau. Ah, je peux le faire là aussi. Ouais. Pour la flamme, je vais éviter parce que c'est un peu un shoot direct, quoi. Oh, putain, mais quelle naze! Je suis en train d'exploser ma manette. Ah
Ouais, il ferme direct la bouche avec la flamme, c'est rien. Putain, j'étais dessus là. Ah, mal placé. Putain, il te laisse peu de temps là, celui-là. Il est vachement bas là, non? Normal ça? Toujours pas. Il n'y a pas de yeux, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça a PV quand même. Ah, mais il fait que deux sauts en fait après le coup de langue. Je viens de faire gaffe là. Oh, s'il te plaît, j'étais bien là. Putain, mais. Mais mon gun il sert à rien en fait. Oh putain, j'avais oublié. Ah! Ah, bourrinage quoi. Un clef. Ah, c'était de l'endurance. Hein. Putain, mais avec un gun pourri, je suis quand même content de moi quoi. Merci. Attends, comment? Voilà. Oh putain, il m'a fait mal. Ça y est. Attends, j'ai pas tout lu. Les armes, ouais, mais j'ai du mal à me plonger dedans. Bah pour Isaac, ouais, faut être prêt, hein. Faut être prêt avant de se lancer dedans, quoi. Si t'as pas trop envie, laisse tomber, quoi. Ça va plus t'énerver qu'autre chose et... Vaut mieux que tu le fasses... quand tu te sens prêt, quoi. Alors attendez, j'ai fait ça. Attends, on remonte tout un, il y a un grand chemin là. Faut tout remonter. Bon, ça se passe plutôt bien. Bon, en même temps, je suis aidé aussi. Oh. J'aime pas quand faut utiliser le hover là, parce que forcément, je consomme tout. Ah, bien joué. Bon, merde, hop. Putain, mais... Je sais pas si je l'ai eu, non. Ah oui, il va m'en falloir, en fait. Encore, là, ou... C'était peut-être tout, hein. Peut-être le dernier. Ah, pour Elden Ring. Ah, Isaac, t'as platiné juste avant la sortie de Repentance. Bah, Elden Ring aussi, hein. Faut être prêt psychologiquement. J'ai quand même attendu un moment avant de m'y mettre. Hein. Et j'ai bien fait. Hein. De toute façon, il vaut mieux pas se forcer hein, sur des jeux comme ça. Sinon, c'est foutu. Quoi. Attends ça. Ok, on passe au-dessus. Enfin, même les jeux en général, hein, vaut mieux y jouer ce qui nous donne envie sur le moment. Sinon, l'expérience est foireuse. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est me concernant. Quoi. Je vais rester un peu, juste. J'aimerais bien qu'il y en ait un autre. Voilà. Non, bah l'utilise pas, non. Voilà. Attention, le boss du prochain monde, il est très dur si tu as pas un bon niveau d'upgrade. Ouais, ok, ouais. Peut-être que... Je farmerai un peu alors pour avoir au moins un tir lointain quoi, parce que c'est vrai que là le tir à courte portée laisse tomber quoi, c'est... Tu peux rien faire avec ça quoi. Par contre je me rappelle pas si tu m'avais répondu ou si j'ai peut-être pas lu la réponse. Est-ce qu'on pouvait ouais, sortir de l'écran et revenir pour péter des blocs, et est-ce qu'on peut trouver encore... Attends, je regarde, mais ouais. Est-ce qu'on peut encore trouver des upgrades d'armes? Ou alors je vais avoir que des trucs banals quoi. C'est ça en fait, je sais pas si ces items là de gun, si c'est random ou si c'est à des endroits spécifiques. Une fois que c'est pris, c'est fini quoi. Ce
serait très con. Mais c'est possible, quoi. La série par cœur. Ouais, c'est... Non, Sigma, il... Ouais, y a pas que ce jeu-là qu'il connaît par cœur. Hein. Il en connaît des tonnes. Moi, ça... Je trouve ça impressionnant, quoi. Ah, c'est très bon. Hein. Enfin, franchement, j'ai vraiment kiffé, là, le Blaster Master Zero. Je compte me faire le 2, là, bientôt. Puis, il y a le 3 aussi. Mais là, je vois, en découvrant cette version NES, que déjà... Déjà, la base était là. Enfin, elle était déjà très très bien, quoi. Putain, mais vas-y. Ah merde, c'est pas là, je crois. Si, 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 c'est là. Si, si, c'est là. De toute façon, il n'y avait pas autre chose en haut. Oh merde, je voulais... Bon, je l'ai esquivé comme ça, mais bon. J'ai cramé le hover, quoi. T'avais répondu au début que les upgrades, tu peux les farmer. Ils sont dans les... Ok, ok. J'avais peut-être mal lu, alors. Ou... Bon, cette fois, c'est bon. De la merde. Je suis déjà à ce niveau-là. Non, là, j'allais revenir, j'allais ressortir au niveau à la première zone. C'est pas le but, là. Parce que ici, on va accéder à une nouvelle zone, mais passons par là, donc en bas à droite. Ah bah voilà, en fait, là, il y a une porte avec une serrure. Donc, fallait la clé, là, qu'on a eu via le boss. Tellement de bons jeux sur NES, c'est clair, mais ils sont tous durs, quoi. C'est le problème. C'est la difficulté des jeux, quoi. Attends, je fais un petit sextet, là. Je sais pas trop. C'est quoi, ce bloc? Je pensais que c'était un secret, ça. Je referai Kabuki Fighters, Kickmaster et Only Diver. Je pense que c'est des jeux de l'enfer, ça. Bah, moi, sur NES, là, ce que j'aimerais me faire... Là, il me faudra de l'aide de quelqu'un, ou alors que je regarde vraiment une soluce comme il faut. J'aimerais bien me faire le Castlevania 2, puis le 3 ensuite. Et faire le 2, mais vraiment, il faudrait que je sois guidé à mort, quoi, parce que ça, c'est, ça a l'air d'être l'enfer, quoi, vraiment. Il y a des jeux comme ça, bah, c'est des jeux assez chauds, quoi. Même limite, le Zelda 2, j'aimerais me le refaire, quoi, celui-là, mais je risque de galérer, quoi. Bref, à voir, quoi. Nouvelle zone, avec des plongeurs. Petit Battle of Olympus. Celui-là, je l'ai pas fait, par exemple, mais je sens que c'est... ça doit être bien, quoi. Ah oui, bah c'est là qu'on va gagner, je pense, le... compétence, là. Enfin, compétence. Une espèce d'appareil pour pouvoir nager, après. Oh, putain, mais ça tire, c'est ça au prix. Là-dedans, ouais. Ah bah voilà, tu vois Sigma, ça serait mon sauveur, mais bon, je me prendrais, je pense, une petite soluce à côté. Peut-être pas si compliqué, mais bon, quand même, j'ai déjà vu quelques let's play, putain, je me rappelle pas, quoi, mais ça, c'était assez obscur, quand même. Ouais, je me rappelle des trucs comme se mettre, s'agenouiller là, devant la falaise. Bah, c'est de l'eau bénite tous les deux pixels. Des petits trucs comme ça, quoi. Alors, ici... Mais attends, non. Ça va me faire mal, ça? Non. Je peux plus. Ah mais ah, putain, c'est avec lui. Non, casse-toi. D'ailleurs, je me demande comment il fait lui pour nager. Enfin, à moins qu'il ait une tenue, donc il doit respirer.
Avec... J'aime bien comment il tombe quand tu les butes. Je prends pas trop de dégâts alors que je devrais, hein. Je suis avec le bonhomme là. Prends cher, mais bon, je pense que c'est fait exprès. Sinon, ce serait trop l'enfer là, quoi. Je l'attendais bien, lui. Eh, sympa la musique avec les sons de basse là, j'aime bien ça de la NES. Oh putain. Ça donne plus beaucoup là, hein, je trouve. Ça doit être là. Quand même voir s'il me largue. Non, il me largue rien, c'est con. Putain, c'est solide ça. Je suis au bon endroit là, vraiment. Ah merde, ah oui, ça doit être ça. Il faut passer par en dessous. Ah oui, ok, ça, je me suis repéré, donc non, je suis sur le bon chemin. Quoi? Je pouvais pas le décrocher. Allez, donne-moi un truc là. C'est bourrin, c'est pas, c'est bon. Très bien, on est à l'intérieur. Ah oui, j'ai un gun de merde, oui, j'avais oublié. Ah bah ça va être sympa aussi ça. À droite, non. Ah super, le premier. D'ailleurs, hop, j'oublie pas. Je sais pas trop où elle est la hitbox hein, sur le perso. On lui donne que des P là. Salut Shazam, comment tu vas? Attention. Pour l'instant ça donne que de... Ouf. Ils arrivent vite hein, quand même. Intérêt à avancer comme je fais. Non! Putain, il m'a fait perdre le gun. Ouh. Esquive. Ah, yes, lui me l'a redonné. Peut-être que c'est eux qui. Non. C'est un hasard, je pense. Peut-être qu'ils en donnent souvent, eux. Non, non, reviens. Je peux pas shooter à travers là. Ah, quoique. Est-ce que c'est pas eux qui en donnent souvent? Pff, merde. Oh putain, bah oui. Bufferisé ce con. Peut-être l'endroit à farmer ça, non, Sigma? Parce que là, il me reste quoi? Je suis arrivé au boss là, non? Attends, c'est bizarre, qu'est-ce que j'ai fait comme chemin là? Merde, non, non. Putain, je sais pas ce que j'ai fait comme je crois que je suis pas sur le bon chemin en fait. Bah, j'ai pas vu d'intersection. Sigma sauvage. Je sais pas, j'ai bien envie de farmer les tourelles à droite là.
J'ai l'impression que c'est eux qui donnent les power-up. Ah mais ils reviennent pas. Merde. Putain mais je suis où concrètement? Ah mais je suis pas du tout dans la bonne direction. Bah c'est pas grave, d'après ce que je vois, il y a des bons trucs au bout. Donc on va aller au bout du couloir. La merde. Voilà, là il y a plein de blocs. Oui, il y a un bon truc. Beaucoup de choses pour Sophia 3, mais voilà, ça déjà. Donc là, c'est-à-dire que si je sors et que je reviens, je pourrais peut-être choper les derniers trucs, quoi. Est-ce que ça vaut le coup? Si je me dépêche. Je pourrais, hein. Ça va le faire avec ça. Je peux garder ça, ça se trouve, je vais en trouver d'autres sur mon chemin. Il faut juste que je me fasse pas toucher, quoi. Parce que là, j'ai fait quoi comme chemin, en fait? Je sais pas trop. Ah, mais il y a d'autres blocs. Bon, quoi. On va revenir. Putain, mais y'a plus rien, c'est normal ça? Putain, j'ai pas fait gaffe qu'en fait en tuant les ennemis ça les fait disparaître définitivement. Enfin, sauf si on sort, j'imagine, de la grotte. Enfin, grotte. Temple, je sais pas comment dire. Tiens. Il est apparu quand l'autre était mort. Putain, mais vise mieux. Non, mais là ça a l'air de repopper là en fait. Peut-être une distance. Ouais, non, mais ça a repopé, là, ouais. Voilà, nickel. Attends, ça me mène où, ça? Mais non, je reviens là. Bah, attends, c'est quoi ce délire? Ah, merde, mais c'est pas le bon endroit, alors. Attends, je reviens. Bah merde, ils se sont plantés sur les cartes alors. Va affronter le crabe. J'ai pas été au bout du couloir. Quoi, en haut là? Ah putain, attends, il est où là? Oui, ok. Ah merde. Oh le con. Oh, c'est bien moi ça. Ça y est, c'est la fatigue qui arrive là. J'avais prévenu. Hein. Quel con, je me suis fait toucher. Oh, oh bah ça passe carrément à travers quoi. Ça y est, je suis en train de perdre tout ce que j'avais réussi à choper. Puis là il y a les deux tourelles là, forcément je vais en prendre plein la gueule. Shot, je le touche. Attention quand même. Putain, mais c'est bizarre ces tirs quand même. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est au-dessus, je sais pas à quel niveau. Putain, merde, c'était à gauche. Ah, là où il y avait les blocs, il y avait quelque chose. T'es sûr? Parce que là, il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il y avait un mur, moi. Bon, écoute, hein, je te fais confiance. Hein, mais... J'ai du mal à voir un truc. Vas-y, je bourrine. S'en fout. Quand même. Non, tu vois, il y a un mur là.
Bon, voilà, je suis à fond, mais ouais, non, j'ai pas d'autre endroit là. Merde. Ah non, mais en fait, non, j'étais bon. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, j'aurais dû désactiver le truc d'Xbox. Bon, ça m'a permis d'avoir le truc à fond, au moins. Par contre, le chemin... D'accord. C'est à l'extérieur. En fait, j'ai pris... C'est bizarre quand même, ils se sont plantés sur le... Sur la carte, c'est pas grave, on va trouver. Mais... Parce que j'aurais dû apparaître plus au centre, normalement, de la carte. Et finalement, non, j'ai... Enfin, d'après ce que c'est marqué. Putain, attends, j'ai raté de tirer parce que ça rame à mort. Ah bah, oui. Le problème, c'est que je sais pas trop où aller, là. Attendez, je vais juste me mettre là. Parce que je viens de là. Putain, ça, faut que ça dégage parce que je vois pas. Essayez d'aller en dessous, ouais. En dessous, il y a un autre chemin, effectivement. Ok, ouais, j'étais un peu forcé. Putain, c'est chaud, là. Esquiver ça, là. Je vais me faire troller, là. C'est bon. Monte. Au-dessus, pas en dessous. D'accord. Donc là, je continue, je vais à droite au max. Parce que ouais, il y a un chemin aussi en dessous, mais bon, c'est peut-être pas celui qui va mener au... sur le bon chemin, quoi. Ouais, merde, putain. Vas-y, descends, toi. Ça serait par là. On va voir. En tout cas, normalement, il y a une porte. Oh putain, ça va être chiant. Oh. Ça passe. Voilà. Si je compare. Là, je suis en bas. C'est, ça a pas l'air d'être là, hein, Sigma. Là, c'est encore un autre endroit où je vais atterrir sur des blocs. C'est. D'après la map, c'est l'autre chemin pour avoir. Comme tout à l'heure, en fait. Des blocs partout. Alors du coup là je suis un peu plus motivé pour tester celui du bas. Parce qu'il n'y a pas de chemin là vraiment quoi. L'autre chemin d'avant c'était au-dessus, comment ça? L'autre endroit d'avant c'était au-dessus. Je vois pas trop ce que tu veux dire par là. Il faut que je revienne encore. Bah non, si je reviens c'est pas bon. Il y a que en bas, hein, je vois. Je vois une autre fenêtre, une autre porte en bas, quoi. Bon, écoute, je fais une safe tête là. Je vais essayer en bas, si c'est pas ça, je recharge là, quoi. Oui, voilà, donc c'est en bas. Il était, lui, tout à l'heure, là, ce... Bah, en haut à gauche, c'est où on était au début, hein. Non? Attends. Je te dis des conneries? J'étais en bas tout à l'heure? Oh, je sais plus. Merde, j'ai un doute. Bon, attends, on va voir de toute façon. On le verra avec la gueule. Oh putain, c'est moi qui me suis chié tout à l'heure alors. Oh le con. Bon, bah voilà. On est sur le bon chemin, merci.
Putain, je crois qu'on était en bas, moi. À cette porte, juste avant. Mais en fait, pas du tout. On était plus bas que ça. Oh, le con. Ouais, mais c'est ça, ouais, ok. Désolé. Ouais, tout se ressemble, hein. Bon, elle est bien cette arme, mais elle fait ramer, hein. Bon, là, de toute façon, c'est... Non, non, touche pas, toi. C'est assez ligne droite, là, normalement. Bon, on va quand même utiliser les grenades, là, contre eux, parce que, putain, franchement, le tir... Merde, t'as l'impression qu'il... part partout, mais pas sur l'ennemi, quoi. Putain, mais c'est dingue. C'est quoi cette arme, quoi? Attends, on va faire un truc. Ah d'accord, mais il tire en diagonale en plus, quoi. Ça, je m'y attendais pas, quoi. Putain, j'arrive pas à tirer à gauche. Ah voilà, merci. Ah, ils ont rien donné, là. Ah putain, merde, vite, j'enregistre. Alors c'est quoi déjà? Il était lui, non? Dans le zéro. Enfin, les tirs, s'il vous plaît, quoi. Allez-y, quoi. Que ça vraiment? Oh non, il tire en face là. Ah, et là maintenant il tire en face. Putain, mais ça va être très long. Hein. J'ai envie de bourrer sa gueule là quand même. Mais bon, c'est la... Je vais faire une connerie quoi si je fais ça. Mais je le touche plus, quoi. Ah ouais, ah oui, oui, exact. Il se baladait. On avait une grande zone avec de, où on se cachait derrière des piliers là. Putain, oui, je m'en souviens maintenant. Oui, c'était ça. Oh bah vas-y, la grenade. Hein. Et putain, il y a... touche pas. Bah ouais, mais au bout d'un moment, putain, mais c'est quand même super chelou, quoi. Ah, peut-être que ce tir va être un peu mieux, non? Ah, ouais, déjà le tir est mieux, hein. Putain, mais l'autre, c'est vraiment la passoire, quoi. C'est impressionnant, mais c'est tout, quoi. Enfin bon, on va dire que je touche plus, hein, mais... Il prend mal, hein, peut-être. Hein. Pas évident. Hein. Un endroit bien précis, quoi, mais... Ah. Deux petits coups, là. Oh putain, ah il bombarde là. Bon, c'est-à-dire qu'il a mal ça. Faut qu'il arrête de tirer à un moment donné. Ah putain, attends quoi? Si je reste vachement en arrière, ça le touche? Ah, attends, il y a une portée là.
tire vite aussi, hein. Quoi? Je me suis fait toucher. Ah non, j'ai moins de portée, là. C'est vrai que je commence à avoir mal, là. Hein. Putain, c'est pas relou, quand même, hein. Hop, on accélère un peu le... Putain, mais j'y arrive pas. La grenade, ça passe pas, quoi, vraiment. Putain, c'est hallucinant, ce boss, quoi. Enfin, j'arrive plus à le toucher du tout, quoi. Ah, je vais crever. Oh, je crois qu'il était mort. Oh oui! Putain! Oh, l'arcade! Ouais, c'est clair que la musique de 3 secondes, bon. Après, il y a une technique cheatée, si tu galères sur certains boss, c'est tirer avec la grenade, puis mettre la pause quelques secondes, tu retires la pause, et le boss est mort! Oh, le truc! Merci! Ah ouais, t'as carrément un cheat comme ça, quoi!